comme de nuit. La récolte des pommes sera plutôt bonne dans le Vaucluse cette année, contrairement à la tendance nationale. Notre dossier du dimanche s'intéresse justement aux vergers éco-responsables. Il en existe 1500 en France environ, parmi lesquels celui de Cavaillon. Le principe de ces vergers, limiter au maximum l'utilisation de produits chimiques. Ces producteurs éco-responsables adoptent un mode de conduite propre, tout en essayant de gagner de l'argent. Nous en parlerons avec un producteur dans un instant. Mais tout de suite, direction le Vaucluse pour ce dossier de Laure Bolmont et de Sylvie Garde. À Cannes, Bréburn, Gioia, avec leur nom de star, elles dansent sur nos tables tout l'hiver. Mais en ce moment, la reine des pommes s'appelle Golden. La cueillette a débuté dans ce verger du Vaucluse il y a un mois. Ici, le producteur a adopté une démarche éco-responsable. De la plantation à la récolte, la priorité est de laisser faire la nature. Règle numéro 1, la lutte biologique doit limiter le recours aux pesticides. Des diffuseurs de phéromones sont ainsi disposés dans les arbres, une méthode qui débarrasse le verger de son principal fléau, le ver de la pomme. Mais la confusion sexuelle, le principe, c'est de diffuser dans le verger l'hormone femelle des papillons en grosse quantité, et ce qui permet que les mâles retrouvent plus les femelles pour pouvoir s'accoupler et donc pondre des œufs et avoir des petits vers qui vont nous faire des trous dans les pommes. Autre pratique éco-responsable, préserver la végétation dans le verger. Haies et buissons abritent des oiseaux et toutes sortes de petits insectes qui se chargeront eux aussi de faire le ménage dans les arbres. Par rapport aux coccinelles ou aux chrysopes, elles vont consommer les petits pucerons qui sont sur le verger. Il y en a d'autres qui vont être les prédateurs des araignées rouges, d'autres vont être les prédateurs du carpeau. Et chacun, à leur niveau, vont consommer des insectes qui nuisent à la récolte. Respecter la nature, c'est aussi cueillir les fruits à maturité. Le producteur doit effectuer des prélèvements sur ses vergers pour déclencher la récolte au bon moment. Des tests sont effectués sur les pommes pour déterminer leur taux de sucre. Salut Lilia, tu pourras me faire un test de maturité là sur les Weber de Lille, s'il te plaît. Tu veux, ok. C'est parcelle 13-14-15 à Lille. 13-14-15, ok, merci. Le contrôle qualité est au cœur du verger. Du choix des plants jusqu'au conditionnement des fruits, on respecte le cahier des charges éco-responsables à la lettre. Exemple ici, le taux de sucre doit répondre à un barème très précis pour chaque variété. Si on ramasse trop tôt, qu'on n'est pas à la maturité qu'il faut, ben là, il peut y avoir des maladies de frigo, des choses comme ça, des maladies de conservation qui vont se développer. Il faut absolument que la pomme soit à une maturité minimum. Une fois récoltée, la pomme est à nouveau contrôlée. Elle doit être juteuse, acide à souhait et craquante, toujours belle à croquer. Parfaitement calibrée et surtout pas cabossée, son allure doit séduire le consommateur. Sur la trieuse, des caméras vont la passer au crible. Alors là, j'enlève tout ce qui est gros défauts, les pourris et les feuilles, parce qu'on a un tri qualitatif et les caméras prennent les feuilles pour des défauts. La certification éco-responsable ressemble à du bio, mais ce n'est pas du bio. Moins coûteux, plus productif, le verger propre reste toutefois un argument de vente et surtout vient casser l'image du producteur pollueur. Parce qu'on est producteur, qu'on est forcément pollueur, on est aussi respectueux de notre environnement, de nos arbres, hein, puisque c'est notre outil de travail. Donc on essaye au quotidien de faire tout ce qui est le mieux possible pour notre verger, pour le consommateur et pour l'environnement. Sur cette exploitation, la récolte est estimée à 4200 tonnes pour une quinzaine de variétés que l'on retrouvera sur le marché français, mais aussi à l'étranger. Leur prix sera légèrement plus élevé, mais promis, pas de quoi tomber dans les pommes. Rémi Foissé, producteur, lui aussi éco-responsable, est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. On l'a vu, vous investissez beaucoup dans la productivité, j'ai envie de dire. Mais à l'arrivée, vous dépensez peu pour les insecticides, pour les pesticides. Est-ce que ça veut dire qu'à l'arrivée, vous êtes gagnant ? L'investissement, c'est la clé de la réussite aujourd'hui. Il faut investir dans un verger pour avoir les bonnes variétés,
des belles variétés. Et ensuite, tout au long de la vie du verger, il faut investir dans l'observation. C'est le choix qu'on a fait au travers de Verger Éco-Responsable. On investit dans du personnel qui va compter, qui va faire des observations chaque semaine, dans du matériel informatique, dans des stations météo qui vont nous permettre de modéliser éventuellement des maladies. C'est toutes ces informations-là qu'on va chercher pour savoir si on doit intervenir ou non. Et à l'arrivée, vous êtes gagnant. Ben oui, c'est la clé de vergers éco-responsables. Alors, le nombre de ces vergers augmente de 10% par an environ. Mmh. Ça veut dire que quoi ? Est-ce que c'est un phénomène de mode qui va s'amplifier puisque la grande distribution vous sollicite de plus en plus ? Ou c'est justement un phénomène de mode qui va passer ? Non, c'est pas un phénomène de mode. Que ce soit la grande distribution qui maintenant s'engage à s'approvisionner quasiment à 80% en pommes issues de vergers éco-responsables. On a McDonald's, cette semaine, ma coopérative Cofridoc a signé un contrat sur 3 ans d'approvisionnement de pommes vergers éco-responsables pour les petits sachets, petites pommes, pour un volume de 1000 à 1500 tonnes. C'est en plein essor, on l'a compris. Les consommateurs, eux, quand ils achètent des pommes, ils le voient justement que ça provient d'un verger éco-responsable ? On essaye de plus en plus de les identifier, ces pommes. J'ai une pomme Ariane, il y a un petit stick, la verger éco-responsable. Bon, tout ça, c'est de la communication et ça demande un petit peu d'argent et des moyens. Et encore une fois, là aussi, on investit de plus en plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on l'a entendu dans le reportage, on dit producteur égale pollueur. Mm-hmm. Là, c'est vraiment un choix, mais ce choix, il est écologique ou il est rentable, ou les deux ? Ce choix, c'est les deux. On a mis pour répondre au mieux aux attentes de la société. Les consommateurs, aujourd'hui, ils sont en attente de sécurité, de réponse par rapport à nos pratiques, par rapport à notre métier. Et Verger Éco-Responsable leur garantit tout ça. Alors, on précise que parfois, vous pouvez utiliser des pesticides si il y a danger, on va dire, sur les produits. Bien sûr. C'est-à-dire je vous l'ai dit, on fait beaucoup d'observations. On a des stations météo qui nous modélisent éventuellement le développement de maladies. Et toutes ces informations nous disent si on doit intervenir ou non. C'est-à-dire que rien n'est systématique. Tout est basé sur le fait d'aller chercher l'information au plus précis dans le verger pour voir si on doit ou non intervenir. Merci beaucoup, Rémi Foissé, d'avoir été avec nous. Bon retour sur Tarascon. Gros plaisir.